Fraternité, fondement et chemin de la paix, tel est le thème de la 47e journée mondiale pour la paix en ce 1er janvier 2014. Occasion saisie par l'Église catholique pour célébrer une messe d'action de grâce à l'endroit des pays en crise, notamment les pays africains qui traversent en ce moment des difficultés de cohésion sociale. Des prières ont été dites pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, surtout pour le retour d'un climat de quiétude en Centrafrique, au Soudan du Sud, en Égypte et en Syrie. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, Mgr Paul Simeon Awanajuro, archevêque métropolitain du diocèse de Boaké, a dans son homélie invité la classe politique ivoirienne à plus d'humilité. À la population, l'archevêque a demandé de s'inspirer des valeurs d'unité de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité, autant de mots forts autour desquels la cohésion nationale doit être bâtie, a-t-il dit. Prières, louanges et cantiques ont marqué cette messe pour la paix.